La scène se déroule dans un cabinet médical parisien en juillet 2019. Dabia B se présente pour une consultation, mais elle refuse de payer, alors l'une des secrétaires médicales lui confisque son sac. Là, si j'ai envie de faire des problèmes, je vais les faire tout de suite. Mais pour éviter les problèmes, je veux juste récupérer mon sac. T'as vu, là, je suis gentille. Juste... Le ton monte et la jeune femme devient violente. L'une reçoit même un coup, alors les assistantes médicales déposent une main courante. D'après elles, les policiers les dissuadent de porter plainte, leur expliquant avoir beaucoup de travail. Ces vidéos pourraient être aujourd'hui un élément supplémentaire dans les expertises psychiatriques à venir de Dabia B. Face à une frustration, quelle qu'elle soit, face à un contentieux, on est face à quelqu'un qui a pu privilégier le recours à la violence. Cette vidéo participe de l'éclairage de tout un contexte de personnalité et notamment de gestion ou d'absence de gestion de la frustration. Aujourd'hui, les deux victimes regrettent de ne pas avoir porté plainte. D'après elle, elle aurait peut-être permis d'attirer l'attention des autorités sur la jeune femme, principale suspecte dans le meurtre de Lola.